Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation des produits que j'ai pris pour mon partenariat avec Craspire, donc la boutique de. Bah, je ne sais pas trop d'où ça vient, si c'est chinois ou je pense. Donc j'avais eu un partenariat, donc il m'avait dit que j'avais 30 ou 40 dollars, je crois. Bah, de toute façon, on va calculer 5, 9. 9 et 12. Alors, 5, 9, 10, 22, ouais, à peu près 30 euros. 30, ouais, 30 euros ou 30 dollars, je ne sais plus. Donc, pour commander 4 produits, 5 produits. Donc, j'ai choisi, je vais vous faire voir. Donc, j'ai choisi en tampon, j'ai choisi ces petits gnomes que je trouve rigolos. Je me dis que pour toutes les occasions, ça peut être sympa pour faire des cartes. Et ça fait un moment que je n'ai pas fait de colo là. Faudrait que je m'y remette. Là, j'ai refait du scrap, mais il faudrait que je me remette un peu à la colo. Peut-être que j'essaierai tout à l'heure pour me détendre un petit peu. Donc, je vous ferai voir le résultat, bien évidemment. Donc ça, c'était que 1,06€. Ensuite, j'ai pris ces fleurs-là à 4,72€. Et en fait. Ça, bah, je vous ferai voir une fois fait ou je le ferai avec vous. J'avais vu ça, ils avaient fait une carte sur la présentation et ça faisait vraiment super joli. Donc pour utiliser nos petites chutes de papier, ça va être vachement, vachement sympatoche. Donc je vous ferai voir le résultat. J'ai choisi pour 5,10€ ces fleurs-là, très fines. Alors ça c'est pareil, c'était surtout pour faire des cartes ou pour associer avec des collections dont on n'a pas les. Quand on n'a pas les comment? Bah, beaucoup de die-cut, tout ça, ça peut être vachement bien de faire des jolies fleurs. Donc là, on avait des petits papillons, une feuille. Ici, on a des fleurs très fines. Donc après, on peut soit faire que le contour, soit garder l'intérieur et puis venir faire comme un puzzle. Et celle-ci également. Donc je pense que ça va vraiment rendre sympa. Donc je vous ferai voir ça. Donc ça, c'était 5,10€. J'ai mis les prix en euros. Hein. Donc en fait, là, c'est des produits Globeland, mais c'est la boutique Craspire qui les vend. Bon, j'avoue qu'il y a tellement de choses dans cette boutique que c'est un peu difficile de choisir. Les tampons, mis à part ceux-là, ils ne me plaisaient pas trop. Ils étaient pas. Enfin, c'était pas mon style, disons. Moi, les petits animaux et compagnie, j'aime pas trop. Et ensuite, donc, j'ai pris deux seaux. Alors, c'est con, c'est que je ne trouve pas de cachet de cire. Je trouve des seaux. Mais pas de cachet, donc ça c'est un peu bête. Attendez, je vais chercher parce qu'il manque le manche. Il y avait le manche avec. Voilà, donc il y avait, j'ai choisi donc celui-ci. J'en ai de plus en plus en forme, bah, pas des ronds justement. Donc la petite fleur comme ça que je trouve vraiment très très jolie. Donc ça j'adore. Et celui-là en ovale, une note de musique avec une fleur dedans. Donc là, celui-là, il était à 3,20. Et la fleur qui était avec le manche à 12,20. Donc c'est un peu cher, mais bon, comme j'avais 5 produits, ça allait quoi. Voilà. Donc ça, et voilà. Donc franchement, c'est des produits de qualité. Donc je vous remets le code promo LA, donc L avec une majuscule A, 10 pour avoir 10% de remise sur la boutique Craspire. En barre d'infos, je vous mettrai les liens des différents dies et le lien de la boutique Craspire. Voilà, très bonne boutique. Et du coup, rien à voir, mais j'avais reçu, donc ça je vous l'avais fait voir, je crois, mais j'ai reçu cela aussi entre deux de chez AliExpress. J'adore. Donc c'est un escargot, on fera le test, hein. On fera le test des quatre ensemble. Un escargot avec des feuillages en forme un peu de timbre. Et un bouquet de ballons en forme de. Attendez, ça fait pas le focus. Un bouquet de ballons en forme de cœur. Donc, franchement, j'aimais bien aussi. Donc là, ça commence à me faire une sacrée jolie petite collection de seaux. Donc là, j'en ai déjà 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Plus mon autre boîte qui doit en avoir 25 dedans. Donc, ça fait déjà une sacrée jolie petite collection. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette boutique.
Allez, bye bye.